Et oui, bienvenue sur Games2A TV une fois de plus. Je suis avec Alexandre 2A et Antoine 2A. Putain, j'avais oublié. Et moi, je suis Gordon 2A. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui tout ce que nous avons eu. Hier, avant-hier, enfin cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons eu cette semaine? La merde, rien. Quête. Bon, alors c'est tout. Au revoir. Non, c'est pas vrai, on a eu plein de trucs, vous les voyez les sacs devant nous. Ben, c'est pas rigolo en fait. C'est pas drôle, hein. Ben, on n'est pas là pour être drôle. En fait, on voulait faire une intro la plus courte possible. Parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer. Donc on va passer direct au générique. Générique. Bon, alors, par quoi allons-nous commencer? Alors, ça, c'est le gros lot. Ça, c'est ce que nous a offert Draven Astaroth. On va commencer par ça. Alors, on était ce week-end à Ajaccio. Et donc, on avait participé à un atelier rétro gaming dans le cadre du festival des quartiers numériques. Donc, on était à la maison de quartier des Cannes. Hein, c'est bien ça. Avec Antoine 2A, Alexandre n'a pas pu venir, était malade. Et puni. Non. Si. Non. Parce qu'il a trop joué à Fortnite. Donc les enfants ne jouaient pas à Fortnite. Et donc c'était l'occasion de participer à un atelier rétro gaming. Et le soir on est allé dormir dans un Airbnb parce qu'on s'y est pris un petit peu tard, donc pour réserver un hôtel, puis on n'avait pas de grands moyens. Airbnb, en fait, tu réserves ta chambre sur internet. Voilà, tu vas chez des gens, en fait, ils partagent leur appartement, et puis voilà. Et donc, on était chez une propriétaire très sympathique, ma foi très sympathique, et on parlait de jeux vidéo, tout ça, et elle me dit « Ah, mais j'ai des jeux vidéo dans le grenier. » Et elle descend un sac du grenier, et pouf. Un sac que l'on va vous présenter. Alors, elle nous l'a pas offert. Hein. Je vous donne la somme ensuite. Tu gardes le sac. Hop, on commence alors. Une Mega Drive 2, hein, que j'ai vu complète. Hein, y a les câbles d'alim et les manettes, enfin il y a tout. Une PS1 QC. Peut toujours servir. Là, c'est pas un jeu dedans. On verra, on s'en fout. On l'a déjà. Et surtout en console. Et arrête de faire du bruit avec le sac. Une Saturn. Voilà, une Saturn qui malheureusement n'est pas complète. Attends, il y a un jeu dedans. Il y a un truc là d'ailleurs. Merde, c'est pas ça. Il est où le bouton? Sega Rally. Ah bon, on l'a déjà. Mais en fait, j'ai un deuxième câble vidéo et puis le câble d'alimentation, c'est un câble standard. Il y a un truc là. Mais là, il y a rien, idiot. C'est le port cartouche. Stupid idiot. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut enchaîner vite. On essaye de pas faire de bruit. Inutile. Bon, ça, c'est des jeux en loose. Je vous les présente pas parce qu'il y a beaucoup de copies et il y a vraiment pas grand chose de super intéressant, hein. J'ai l'impression que quelqu'un est passé avant nous déjà et qu'il a pris peut-être un petit Fighting Force sur PS1, hein. Le reste c'est beaucoup de copies en fait. FIFA, c'est super FIFA, j'adore FIFA. Tout petit idiot. C'est bon, toi qui t'es pris. Ah, un petit jeunesse Batman, bon qu'on a déjà, hein. Ah, mais on le filera à quelqu'un d'autre dans l'association. Bon allez. Des câbles, des manettes, en veux-tu, en voilà. Bon, ça c'est pas des manettes officielles, c'est des manettes Gamester. Gamester, c'est les stères des manettes. C'est les manettes Big Gamester. Ben. Non, c'est pas Big Ben. Big Ben, y a pas. Ça c'est Mega Drive. Ah, deux manettes Nintendo 60. Tiens-moi ça. Stop. Y en a deux. Elle est où l'autre? Il n'y avait pas deux. Ah, j'ai confondu. Je crois que c'était. On m'en a piqué une.
Non, il n'y en avait qu'une, j'ai regardé, t'en avais qu'une. J'ai confondu avec l'autre alors. Oui, sûrement. Avec le joystick qui est solide, hein, qui a une voilà, hein, qui est pas coincé ou qui bat pas de l'aile, qui est pas en train de tomber comme ça. Hop, hop. Et deux jeux Nintendo 64. Banjo Tooie. C'est la suite de Banjo Kazooie. Et Super Mario 64, le standard, le plus classique. Maintenant, nous allons faire le vide-grenier. Le vide-grenier ? Allez. Allez, commençons par le sac. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, sur Instant, j'ai eu ça à 1€, même si c'est abusé. Je me suis dit, je vais le prendre quand même. C'est un DVD interactif, c'est pas un jeu PC, c'est pas. Vas-y, pose dans le sac. Voilà. Tout petit jeu. C'est un DVD interactif de Koh-Lanta. Ça, on les a eu. Ah oui. Sur un petit stand, on les a eu à combien ? 1€ pièce, je crois. 50 centimes. 50 centimes pièce. On a eu NBA Live, hein, 08, celui-là je l'avais pas, sur PS3. Et un Sonic All-Star Racing Transformed. Là, il n'y avait pas eu Mickey. Mickey, c'était sur un autre. Il y avait aussi deux autres jeux avec Killzone. Ah, il y avait aussi Mickey, donc. Ça, c'était assez sur un autre stand encore. 50 centimes. Toi. 50 centimes aussi. Et Killzone. Donc, Epic Mickey, le retour des héros. Killzone. Et Killzone 2. D'accord ? C'est bon. Ah oui, mais si c'est pour dire, pendant que je suis en train de parler, je présente un autre jeu et en plus tu dis de la merde, c'est pas la peine. De la merde, je vais lire. Alors ça, bon, peut-être un peu cher, Punch-Out, sur Wii, 4€. Ça, c'est pas l'affaire du siècle. Au départ, ils voulaient le faire à 5€, on a descendu à 4, c'est pas l'affaire du siècle. Mais je l'avais pas dans la collection, et bon, il me le fallait un jour, tôt ou tard. Et voilà, je l'ai vu. C'est quoi ça? Alors ça, c'est bizarre, bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la culture geek ou quoi que ce soit, c'est surtout à voir avec la culture corse. C'est un spectacle de théâtre ou mascone. Hein, c'est un humoriste corse qui malheureusement a arrêté sa carrière l'année dernière. Il a fait sa dernière tournée l'été dernier avec ma collègue Fanny à qui je passe le bonjour. Donc j'ai réussi à trouver une vieille cassette d'un spectacle datant de 1996. Et c'est très très rare parce que Miku, hein, donc l'acteur, refusait systématiquement les vidéos de son spectacle. Hein, parce qu'il disait, ouais, mon spectacle, c'est un spectacle qu'il faut vivre, c'est pas un spectacle à voir en cassette. Alors qu'il y avait de la demande, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de succès, mine de rien. Un peu comme Tseke Pido, sauf qu'il joue en solo. Hein, il a des personnages vraiment extraordinaires, qui sont vraiment très très marrants. Le spectacle est quand même beaucoup en Corse, hein, c'est quand même 50% en langue corse. Comparé à Tseke Pido, eux, où c'était majoritairement en français, lui, c'était vraiment moite-moite, quoi. Mais très sympa, un VHS, mais je suis content de... Je suis content de cette trouvaille à 2€. Je crois que c'était 2€ la cassette, hein, ou 1€, je sais plus. 2. Des Skylanders. Je connais même pas ça. Tu les connais pas, hein. Non. Donc 3 Skylanders qu'on a eu pour 5€, je crois. Ouais, je connais pas. Mission Noël. Tu les connais pas? Ouais, ah ouais. J'ai pris les 3 qu'on avait pas. On connaît pas. Donc t'es content? Ouais. Ouais, voilà, 3 Skylanders. Allez, c'est pour toi. Je connais pas. Cadox, parce que moi je collectionne pas les Skylanders. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre au vide-grenier? Des BD, une BD Simpson, hein. Coucou à Paulo Deville, hein, qui collectionne tout ce qui est Simpson. Deville. En échange. Les deux, ça peut le renverser. J'en sais rien. Et une BD de Lapin Crétin, qui s'appelle comment? Renversant aussi. Ouais. Ah ouais? Oui, ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Ah, les deux s'appellent Renversant. Oui, c'est fait. C'est l'album Renversant de Lapin Crétin et l'album Simpson Renversant. Alors, je sais pas, on l'a acheté sur le même stand. Oui, c'est moi qui fais. À mon avis, c'était une femme un petit peu renversée. Voilà. Par une voiture. Et je veux aussi. Je sais pas, tu te les gardes, ça va être pour toi. Je mets les doigts de côté. Les vidéos. Les doigts. Et surtout, le beau cadeau, ce n'est pas une console. Un DMC. C'est un lecteur portable de poche MP3. Voilà, que vous pouvez mettre sur l'épaule. Ça pèse moins de 10 kg, 9,50 kg. Sans les piles. Avec les piles, c'est 15 kg. Stéréo. Un lecteur de qualité analogique.
De type cassette, c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup de poussière oui, dessus. C'est ça. De marque Radiola Spatial Stéréo. Ouais, c'est de la stéréo que vous pouvez écouter dans l'espace. Ce qui n'est pas évident parce que le son ne circule pas dans l'espace, le saviez-vous hein? Parce qu'il y a du vide. Alors quand vous entendez des explosions dans Star Wars ou dans Ulysse 31 ou dans n'importe quel space opéra, eh ben c'est faux, on n'entend rien dans l'espace, le son ne se propage pas, on peut se parler à côté, en fait on ne s'entend pas. Mais pourquoi dans le vaisseau ils s'entendent? Parce que c'est des conneries. D'accord, parce qu'il n'y a pas du vide dans le vaisseau, ils mettent de l'oxygène sinon tu crèves. Double micro, antenne télescopique, radio de poche, pouvant atteindre 2,50 m, une radio de poche, vous pouvez recevoir les radios chinoises. Et tout ceci pour la modique somme de je ne sais pas combien. 5 euros. Normalement c'était le prix de départ 5 euros, mais je crois que Draven, mon ami Julien, l'avait négocié pour moins, et puis tellement moins qu'à mon avis, il s'est permis de me l'offrir, donc à mon avis, voilà, ça doit être ouais, 4 euros, peut-être qu'il a eu à 3 euros, je sais pas s'il a réussi. En tout cas, merci Julien pour ce geste. Toujours en parlant de Julien, parce qu'on va y revenir après, on va y revenir déjà maintenant, parce qu'on est allé à l'espace culturel de Leclerc, espace culturel de Leclerc, espace culturel de Leclerc, Baleone, Baleone, Baleone. Je l'ai dit 3 fois, c'est bon? Non. J'ai ramené... King Kong. Kong. King Kong 5. Non, ça c'est le premier King Kong. 4,90€. 4,90€ seulement. Un petit King Kong complet, le movie. Non, Nintendo GameCube. C'est un film. C'est un film. C'est un film à regarder sur GameCube. Ah bon? Mais non, c'est un jeu. Stupide idiot, ça se voit, non? Non. Donc ensuite, Cache Express. Alexandre et ses bruits. Le roi du bruit. DVDX. Lecteur DVDX. Est-ce que vous connaissez les lecteurs DVDX? Petite parenthèse, tout le monde s'en fout. Mais en fait, c'était... Allez, je l'ouvre la parenthèse. C'est bon, je le fais. Oh putain. Putain, con. Alors, en fait, c'était lors des matchs du Sporting. Merci, c'était allez. Dans les années 2000. Alors, il y avait une tombola ou je sais pas quoi. Enfin, le speaker disait que dans les lots, il y avait à gagner un lecteur DVDX. Alors, c'était à l'époque où il y avait des lecteurs DivX. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était des lecteurs DVD capables de lire aussi des DivX, donc des copies hein, de DVD, c'était un peu plus compressé. Ça se fait plus trop, hein. Le DivX ça existe encore, maintenant ça a été remplacé par le MP4 et le MKV. C'était un format, hein, le DivX. Je peux pas bien me mettre. Et donc le speaker du Sporting nous faisait gagner des lecteurs DVDX, mais à mon avis il était perdu, il ne savait pas si c'était des lecteurs DVD ou des lecteurs DivX, donc il a tranché et a dit ce sont des lecteurs DVDX. Et autant ça lit ni l'un ni l'autre, hein. Autant c'est un format révolutionnaire que seul lui connaît. Non. Donc là c'est pas des DVDX, c'est des DIX. Ouais, Françoise Valérie. Mais ils s'en foutent en fait. Allez, François Valérie Emmanuel, voilà, critiquez mes goûts musicaux, allez-y. Et mes noms vivants. François Valérie, aimons-nous vivants. Julien Clerc, Mélissa, Métis, Dibissa. Toujours Dibissa. Enrico, capitaine Enrico. Enrico Macias, donc, qui chante la lavande, mais ça on s'en fout. Mais il chante surtout Solenzar. Hein ouais. C'est Porto Vecchio. Oh putain. Non, mais. C'est pas Porto Vecchio, c'est Solenzar, donc qui est un village corse. Hein. Mais pourquoi ils chantent ça? En plus, cette chanson, elle est culte, parce qu'elle a été copiée par Iggy Pop, hein, The Death Car, je sais pas quoi. Je vais vous faire, on écoute de suite, Capitaine Enrico. Sur la plage de Solenzar, nous nous sommes rencontrés. Voilà, et maintenant on écoute ce salopard d'Iggy Pop. Pourquoi j'ai copié hein? Ma mère, il a copié ma chanson. Bon, déjà, c'était pas Enrico Macias, c'est elle qui l'avait écrite à l'époque. Hein. Mais bon,
Alors, UB40, UB14, The way you do, the things you do. Plus vite, qu'est-ce que c'est ça? Régine. Régine. Celle qui, même quand elle sourit, on dirait qu'elle pleure. Non, je suis méchant. Régine qui avait fait une reprise de All Will Survive. On écoute Régine. Toujours aussi jeune Régine. Début de soirée. Voilà, fin d'après-midi, c'est le couple fin d'après-midi. Hein, la vie, la nuit, hein, donc c'était le deuxième tube qu'ils avaient fait après Nuit de Folie, ouais, je l'ai pris quand même. Voilà. Donc tout ça, en gros, c'est même pas 2 euros chaque disque, mais je vais vous dire le prix global. Un Tetris. Tetris. The Next Tetris, donc c'est un Tetris sur PSA pour 4,90€. 5€. Oui, 5 euros si tu veux. Super Trucks, un jeu de camion. Un jeu de camion sur PS2, 1 euro. Cocoto, vous vous souvenez de Cocoto? Hein? Personne connaît Cocoto, mais on a trouvé le jeu à 2 euros sur Wii. Cocoto. Hein? Cocoto, c'est le personnage dont on sait pas d'où il vient, il est venu, il a disparu, hein, voilà. On a eu trois jeux Cocoto. Il y a eu 3 jeux, ouais. On a eu 3 jeux Cocoto en tout ça. Oui. En même pas un mois. Il est peut-être plus connu qu'on y pensait. Hein. Fighting Fury. Alors, Fighting Fury, hein, c'est un jeu de baston. C'est entre Fatal Fury et Street Fighter. Ils l'ont appelé Street Fighting Fury. Non, enfin Fighting Fury, pour 2 euros. Ensuite ici. Pétanque Pro. Ouh, un jeu de pétanque, hein, sponsorisé par le Pastis 51. Non, c'est un jeu Big Ben. Sponsorisé par Big Ben. Battleship. Ce sont des boules de pétanque en plastique. Alors, Battleship, et ça c'est pas un jeu. C'est un DVDX. Non, c'est pas un DVDX, c'est un Blu-ray, stupid idiot. C'est toi qui débite. Jet Li. Jet Li, le frère de Bruce. Lee. Non, rien à voir. 20 centimes. Alors, il y avait des DVDX à 20 centimes. Ah ouais, comme celui-là. Voilà, et un Van Damme. Putain, le truc est ouvert dedans. Deux bons nanars pour 20 centimes pièce. Ah, il y a qu'au Cash Express qu'on peut trouver ça. Tomb Raider. Alors ça c'est le vendeur, le gentil vendeur qui me l'a offert. Il m'a demandé, oh, vous avez la Xbox 360? Donc il m'a offert un jeu à moi, un jeu à Robert et un jeu à Fred. Donc, mais pourquoi ils ne m'ont pas donné? Pourquoi t'es pas venu? Ah. Allez. Ensuite il m'a aussi offert le Pôle Express, il m'a permis de prendre un jeu supplémentaire dans le bac des jeux en promo vraiment pas cher. Hein. À 2 euros, le Pôle Express, hein, une petite aventure issue du fameux film avec Tom Hanks, justement, ouais. Tom Hanks. Voilà, c'était... Enfin, Hanks. Avec Tom Hanks. En image de synthèse, Tom Hanks, il était pas... Voilà, bref. On s'en fout. Ensuite, quoi d'autre? Scooby-Doo-Bidoo, ça aussi, ça a été offert. Sympa. Hein, mais en DVD. En DVDX. Voilà. Y'a pas la notice! Je sais que tu vas le dire. Vas-y, dis-le. Pas mis. Y'a pas la notice? Stupide idiot, depuis quand y'a des notices dans les DVD? Ah. C'est pas moi qui l'ai dit. Y'en a des fois. C'est pas moi qui l'ai dit. Pas des notices, c'est des. Ouais, des pubs, des prospectus. Tu lâches pas? Page courte, tennis. Ouh, on va se marier avec un jeu de tennis sur PS2. Voilà, on l'avait pas. Est-ce qu'il est complet? Il est complet. On va pas jouer. Avec un petit fascicule Namco. À l'intérieur. Pour la modique somme de 30 euros. Oh, avec. On reconnaît André Agassi, Martina Hingis, Pete Sampras, Anna Kournikova, non, n'importe quoi. Monica Seles, ah, lui, j'arrive pas à reconnaître. Serena Williams. Et trucs et machin. Pour la modique somme de 30 euros. Le tout, voilà, de tout ça, voilà, j'ai eu tout ça pour 30 euros 32. Avec les réductions, les machins, les trucs. Donc une dizaine de DVD et une dizaine de jeux et disques, enfin bon, le tout pour 30 euros, ça fait 3 euros pièce à peu près le truc, même pas, ça fait 2 euros pièce. Donc
On va finir par les deux sacs offerts par Julien Draven Astaroth, notre ami du Leclerc Baléon. Leclerc Baléon, Leclerc Baléon, trois fois. Eh oui, je suis payé pour dire trois fois Leclerc Baléon. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Non. Oui, 1 euro chacun. Leclerc Baléon, dis-le. Leclerc Baléon. Leclerc Baléon. Jean Calédon. Quel idiot. Arrête, on va se faire taper sur les doigts. Atrium. Alors. Conforme. But. Vas-y. Brico Dépôt. Jiffy. Brotherland. Ils ont mis la clé sous la porte. Forfouille. Ah. Le Ténicheur, je crois que ça existe. Allez. Spart. Spart, hein? Spart. Bastorama. Bastorama. Pour la raison, c'est plus sympa. Alors. Les manches de pioche. Un buzz. Alors, c'est des buzzers. Des buzzers non, pour PS2. J'espère qu'il y en a assez. Alors, mais c'est des buzzers sans fil, ceux-là. Oui. C'est super. Parce qu'il y avait les versions avec fil, ils étaient chiants. C'est ceux qu'on trouve le plus souvent, d'ailleurs, dans les vide-greniers. Et là, ils sont en super état. Ils sont propres. On a envie de jouer avec. Il suffit de mettre des piles. Qu'est-ce que c'est? Des disques. Oh putain, des disques. Oh mon dieu. De la merde. PS5. De la merde. Smackdown, un truc comme ça. Catch. Ouais, c'est de la merde. C'est ça. Oui, oui, Party. Oui, Party. Ah, je l'avais, mais pas celui-là. Bon, je suis allé me donner. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a 8 jeux, je crois, comme ça. Il y en a 5. 6. Qu'est-ce que c'est? Il y a 6 même jeux. Oh, Kinect Adventures en 6 exemplaires. Waouh, bon, il y a de quoi jouer au frisbee, c'est super. Je sais pas ce qu'on va en faire. En plus, je crois qu'on l'avait déjà en boîte. On va mettre les arbres au cas où. On verra. Mais merci quand même. On critique pas les cadeaux. Il m'avait bien expliqué, Julien, fais gaffe, il y a beaucoup de merde. Donc voilà. Beyblade sur Wii. Beyblade sur Wii. Wii Party qu'on avait également déjà. Just Dance 3. Oh mon dieu, Just Dance. Un truc dont je me serais bien passé. Vous me voyez, vous, danser devant une console? De la merde. C'est quoi ça encore? PES 2008. WRC 4. La merde. De la merde. Sur PS2 encore, PES 6. Et Socom 2. Ouais, tout ce qu'on a, Socom 2. Alors j'échange tous ces jeux de merde contre une Neo Geo, si ça intéresse quelqu'un. Ça fait quand même pas mal de jeux de merde. Et il y en aura d'autres. Alors là, il y a une manette Techno Games. Avec un truc bizarre. Une manette tectonique. Avec un truc bizarre. Mais ça je crois que c'est l'antivol. Il l'a volé. Il l'a volé au Leclerc, bah, j'en suis sûr. Donc c'est un jeu. Enfin, c'est des jeux intégrés. Donc faut mettre des piles. Et ça se branche en RCA sur une télé. Et j'ai promis à Julien que j'en ferai le test sur un live. Donc sur mon prochain live, on fera le test ensemble. Voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il dit qu'il ne regarderait pas parce que ça te fait mal aux yeux. Ah ouais? Ouais. Mais à mon avis, c'est quand même pas des jeux de niveau Atari vu le nombre de boutons qu'il y a. Ça doit être des jeux, je sais pas. Game Boy. Connus, enfin je sais pas, on verra. On verra ce que c'est. Il y a. Comme Cocoto. Deux micro SingStar. Deux micro SingStar. Ah ben deux bleus. Hein, d'habitude, il y a un bleu et un rouge. Là, j'ai deux bleus. Mais hein. Ils sont plutôt en très très bon état, même j'ai envie de dire. Sympa pour des soirées karaoké. Une carte mémoire 16 MB. Ah, ça sert toujours. Ça, c'est des cartes mémoire, je suppose, PS2. Là, il y a 64 MB. Voilà, mégabits, voilà. Enfin, c'est des mégaoctets, en fait. Un cache de la merde avec un dessin de merde avec une couleur de merde. Ah, arrête de critiquer, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est quand même un dessin de merde. Un chien avec des plumes d'Indien. Il fume. NBA courtside. Oh! Nintendo 64. Kobe Bryant is in NBA course. Oh! NBA Jam 99. NBA Jam, alors bon, c'est pas le meilleur NBA Jam, hein, celui-là. C'est NBA Jam quand même. Oui, c'est un NBA Jam, mais celui-là est en 3D. La différence, voilà, c'est que c'était moins magique que les autres NBA Jam en 2D. Voilà. Il y avait un côté trop carré. Hein, c'est le problème du passage à la 3D. C'est le problème de la PS, hein, aussi, c'est ce qui m'a fait un petit peu
arrêté les jeux vidéo aussi, c'est que je supportais plus cette 3D. C'était horrible. C'était horrible. Au lieu de continuer sur la perfection hein, des graphismes en 2D, ils se sont dit non, viens, on passe à la 3D direct, on fait des mouvements de caméra de folie, tu vas voir, tu vas voir. Ouais, mais les personnages ils sont carrés, ils sont triangles. Ouais, mais tu vas voir, regarde le mouvement de caméra. Ah oui, il est beau, mais les personnages ils sont carrés, ils sont. Ah oui, mais on s'en fout des mouvements de caméra. Rien ne vaut un bon jeu en 2D qui donne pas la gerbe. Street Fighter. Voilà, un bon Street Fighter. Double Dragon. Voilà, un bon Double Dragon. Tekken 4. Ensuite. Des guns. Waouh. Alors c'est des guns PlayStation 1 ou 2, je sais pas. Ça peut être. PlayStation. En fait, c'est des. Bon, c'est des Thrustmaster. Il y a chaque truc, voilà, c'est un bouton. Ouais, mais ça tombe bien parce que on va peut-être pouvoir y jouer avec Time Crisis. Pour Time Crisis, hein, je comptais faire bientôt un. Et R à rafale. Un double écran. Ah ouais. R normal et normal. Ah, on peut cheater un petit peu là. C'est cool. Après, il y a Gun Cop 2, Con 2, Gun Con et normal. Ah, d'accord, tu changes le style de Gun quoi. Là, il y a à rafale. Arafat ? Arafat. Yasser Arafat. C'est pas drôle. Ah, ils connaissent pas Yasser Arafat. Fais confiance à Yasser. Vas-y. Courtside 2002. Ah, encore un NBA Courtside avec Kobe Bryant. Wow. Donc c'est le même jeu, hein, sur deux supports différents. Enfin, non, ça c'est le 2002. C'est pas exactement le même, c'est la suite. New Super Mario Bros. Wii. Ah, super. En plus, il est complet. Alors, on va super voir s'il est Mario pas trop. Bros, oui. S'il est pas trop rayé. Waouh, nickel. Impec. Mine de. Il est impec, donc il doit passer. Sûr. Mine. Ça, c'est très très bon, ça. Merci. Pourquoi c'est rouge? Tiens, toute question. Bah oui. Vas-y, pose-les maintenant avant que je te mette une gifle. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un chargeur. Putain. Chargeur allume-cigare. Pour DS ou DS 3D. Je le savais. Je le savais, alors pourquoi tu demandes, toupie d'idiote? Parce que je sais pas ce que c'est un allume-cigare. Si, c'est moi, je sais, et je m'en sens souvent. Pour allumer tes cigares? Ouais. J'ai un truc. Un truc! Pour manette. C'est un adaptateur pour manette PS1 ou PS2 sur PC. En tout cas sur USB. Putain, la boîte est dégueulasse. Pas des gros mots. Ouais, bon, elle est certes dégueulasse. Ah, mais c'est une jaquette imprimée, c'est normal. C'est une jaquette salement imprimée, hein, de Midtown Madness 3. Et avec le jeu officiel à l'intérieur. La jaquette à l'intérieur. Mais la jaquette, elle est pourrie. Ah ouais, la jaquette. Je sais pas ce que t'avais comme imprimante, Coco, mais change. Change. Play TV. Play TV, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour jouer à la E-Toy, non? Regarder, ouais. Mettre en pause, enregistrer la télé en toute liberté. Sur PlayStation 3, TNT intégré. Ah ouais, c'est curieux ça. Mais en fait, c'est une interface de télé pour PlayStation 3. Avec donc vous pouvez mettre la TNT et enregistrer la TNT. Bon, écoute, c'est pas inutile. Je sais pas si ça marche encore. À tester. Non, ça c'est quoi ça? Freedom Fighters, par le créateur de Hitman 2. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où il faut tuer des gens. Commander jusqu'à 12 guerriros. C'est un système révolutionnaire de recrutement et d'assignation d'ordre. On s'en fout. Ok, on passe, ouais, parce qu'il y en a énormément de jeux. Tony Hanks, le fils de Tom Hanks. Tony Hawks, toupie idiote. Le fils de Silver Hawk. On dépêche, go. Truc. PlayStation Move. Oh! Tiens, comme ça on testera avec. Voilà. Mais on n'a pas la caméra. Non. Alors, il faut qu'on trouve la caméra PS. Ensuite. Manette coup. Coucou. Coucou. Coucou interactive. Ah ouais. C'est pour PC. Je sais pas, j'ai pas vu la prise. Ah oui. PC. Oui, c'est pour PC. Ouais. Sing It. Oh mon dieu. Sing It. Spécial Pop-It avec Hilary Duff, Miley Cyrus, Coldplay. Manhunt. Je crois qu'on l'avait déjà celui-là. C'est le 3? Non, c'est le 1. Ça, c'est le 1. Michael Jackson, The Experience. Ah, bah tu vois.
J'ai toujours voulu l'acheter, même s'il était pas cher, et je l'ai jamais acheté, et puis finalement il rentre quand même dans la collection Michael Jackson. De la merde. De la merde, numéro 2006, non, 5. The Getaway. The Getaway, sur PS2, avec la boîte noire. Quelle avis de Black Ops. Pourquoi tu regardes? Je sais pas, attends, avec la boîte. Allô. Et que la boîte. Non mais Halo quoi. Attends, c'est même pas, c'est même pas la bonne notice. Tu me donnes la boîte de Halo, y'a même pas Halo, non mais... Attends, regarde, y'a même pas la bonne notice. Et y'a même pas la bonne notice, non mais Halo. Après y'a des GTA 3. Ça peut toujours ça. Mais non, que t'es bête. Ah oui, t'as raison. T'es pas bête. Et c'est pas une notice. GTA 3. Oh, avec le... oh elle est belle mais la jaquette. Sans la notice. Ah, ça c'est un peu con. The Xbox Collection. Oh là, la jaquette est sympa, elle est très originale. Bon, donc il est sûrement incomplet, il doit manquer des choses. Command and Conquer. Et que le, il n'y a que le DVD, c'est Rainbow Six. Rainbow Six Vegas. Ah ouais, donc il faut tout surveiller là. Là, faut tout surveiller. Là, on a. Non seulement on peut avoir de la merde, mais en plus on peut avoir de la merde sans le CD quoi. Fear 2 Ori Protect Origin. Est-ce qu'on a le monde même pas le journal. Bon après c'est surtout pour les boîtes. Moi il m'avait expliqué, hein, il y a beaucoup de jeux, mais il y a beaucoup de boîtes vides, beaucoup de boîtiers, des jeux de foot. C'est Assassin's Creed Revelation. Ah, je crois qu'on l'avait. Et là c'est Soundtrack. Ah c'est bien ça. C'est là en fait, c'est le CD des musiques. Je crois que je l'avais pas le CD des musiques là, du coup c'est pas mal. Asterix Obelix XXL. Et dis-moi s'il y a le jeu plein. Looney Tunes. Ah merde, on y était presque, ça reste du dessin animé. Donc voilà, il y a le CD de nous et tous dedans. Metal Gear Solid 2. Metal Gear. Ah non, Toka 2 et Metal Gear Solid 2. Il me semble que j'ai un CD, il doit avoir un CD quelque part, Metal Gear Solid 2. Avec un peu de chance, j'ai celui qui manque. Charlie. Oui. Qui veut gagner des millions. Ah, qui veut gagner des millions. Sims 2, Animaux et compagnie. C'était sur PS. Non, Sims 2. Avec The Incredibles. The Incredibles, c'est l'intérieur. C'est les indestructibles en fait. Ouais. MX World Tour. C'est bon. Avec. Ouais, Completo. Jeu de moto. Second Strike, je crois qu'il n'y a rien dedans. Ouais. Eh oui, c'était léger. Mais le boîtier est en bon état. Skylanders Spyro's Adventure. Ça tombe bien, on a eu des Skylanders justement. Oui, il est complet. On l'a déjà fini celui-là. Voilà, on l'a fini. Ouh, c'est bien ça. NBA 2K. Ah, je suis pas sûr de l'avoir. Et je l'ai, je crois, sur PS3. Et ben, je l'aurais pas non plus sur Wii. Ah, Charlie, j'ai trouvé la. Ah non, ça c'est. Ah, Midtown Madness 3. Mais il y était déjà la jaquette dans l'eau. Oui. Oui, non, regarde pas. On s'en fout. La merde, 4. T'arrêtes de me bouger. Ah, PS4 encore là. Oh, il y a un besoin encore. Ah, bah oui, très bien. Bah, on a les 4. Alors, c'est il y en a 3 ce soir. 3 ? Alors, on a les 3. Aïe. Ah, ça fait mal. Excusez-nous, on a un souci avec Cocoto. Oh, il n'y a pas le Disney. Non. La princesse et la grenouille. Sérieux. Et c'est. Eh oui, c'est ça. Sans la notice. T'as un truc mauvais. Là, c'est Need for Speed Shift. Avec juste la boîte, sans, sans la jaquette. Oh. Wow. Vite. Super Smash Bros. Brawl. Rien dedans. Eh oui, mais tu rigoles. Mais l'autre jour, je l'avais eu. Et je l'avais eu. Je l'ai. Non, il est dans. Il est là-dedans. Eh, attends, je remplis de suite. Regarde. Hop là, sur la tête. Je suis tellement content pour une fois que ça m'arrive. Oh putain. Hop là. Et hop. Et il manque la notice. Et voilà. Et maintenant, il y a le CD. Ghost Recon 2 avec, je crois que la notice. Ouais.
Merci Julien pour la boîte de Super Smash Bros. C'est parfait. Volleyball Exciting. Okay. Exciting, faut dire. C'est un jeu que la notice. Mêlée après. Non, c'est pas Smash Bros. Mêlée, c'est Smash Bros. Brawl. Y a encore Court Side 2002, mais y a pas de jeu dedans. Ah, Soul Calibur 2. Soul Calibur 2. Hein, GameCube, c'est cool. Bon, je l'avais déjà, mais ouais, c'est cool. Kung Fu Panda 2. Alors, Kung Fu Panda. Et c'est le monde des bleus. Putain. Voilà, le monde des schtroumpfs. Athènes 2004. Ouais, avec les Jeux Olympiques. Avec un CD. Un DVDX. Anna Montana en tournée mondiale. Oh, et dedans, super. Et il y a rien. Tant mieux. C'est rien, ça. Mario Stickers. Oh, sur Jeux Football. Bon, je l'avais déjà, mais. Et il y a rien dedans. Eh merde. Non, c'est pas grave. Allez, enchaîne. Un micro rouge, deux micros rouges, SingStar, bah c'est bien. Ouais, on va se battre à coups de chansons de Gilbert. Ah là, là c'est pour on va sur une étoile, sur un oreiller. Et alors, c'est les plus. Et voilà, on va pouvoir se faire une soirée SingStar. Et là, il y a encore. Ça va faire un truc de rap. C'est surtout pour les pistolets, je crois. Non, c'est un truc de rap, c'est vrai. Alors attention là. Alors c'est parti pour de la merde à chier. De la merde. De la merde sur PS2. De la 6. Merde sur PS3. De la merde sur PS3. 11. De la merde 11. De la merde 11 encore. De la merde 13. C'est une double merde. De la merde 13. Et de la merde 9. De la merde 9. De la merde 90. Oh, c'est déjà une merde un peu plus compact. Raffinée. Non, là elle est. Une belle merde quand même. Une belle merde. De la merde 15. PS4, hein. De la merde PS4 quand même. De la merde 10. Bon, arrête. T'arrêtes un peu de respect pour Tiger Woods, le plus grand golfeur de l'histoire. Le Michael Jordan du golf, quoi. Tiger Woods, mais ça reste de la merde. Ah, on avait la boîte, quoi. Ah 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 ah. Call of Duty Black Ops. Yes. Et c'est PS3, stupide idiote. Oh, mais au moins, c'est le même jeu. Certes. Ah, il y a les indestructibles. Ils étaient dans quelle boîte? Oups. Putain. C'était un jeu de merde. Putain. On verra après. Attends, mais un truc, là. Ah. Ah bah c'est le bon qui est dedans. Touche à rien. Far Cry 2, mais sans le jeu. Avec le jeu, mais sans notice. Alone in the Dark. Avec. Alone in the Dark. Oh, c'est trop beau. Wow. Il est beau. Hein. De la merde, 11. Quadruple. Une triple merde. Vas-y. Non, quadruple. Waterloo pour merde. FIFA 12, la merde. Merde 12. Encore de la merde 12. Double merde 12. Ghost Squad. Ouais. Et c'est le bon. Et il n'y a pas la notice. Wii Fit. Ouh, on va pouvoir faire du fitness. Complet. Wii Fit. C'est le jeu complet. Wii Fit, encore un Wii Fit. Complet. Ah, ça ils les ont pas perdu. De la merde, 8. Complet. Quand est-ce qu'on va avoir un Fatal Fury, quelque chose là? S'il te plaît, vite, moi un bon jeu là, j'en peux plus. Virtua Tennis, 3. Turok. Ah, un petit Turok. Sur PS3. Ah, je l'avais rentré il y a pas longtemps. Ah, bah. Il est reparti. Tony Hawk's, Don Will Jam. Ah, encore un jeu de skate. Ah, il est pas complet, mais il y a le jeu. Manque la notice. Là, c'est 13. Ok. Lis sur le côté, il y a marqué sur le côté. 13, le jeu vidéo. Ah, mais t'as écrit 13, le jeu vidéo. Oh, un jeu Game Gear. Game Gear, stupid idiote. Columns. Ah, on l'avait. En plus, on a rentré des Game Gear, donc ça tombe bien. Le manager de merde 4. Arrête, c'est Giro. Ah non, c'est pas Giro. manager de merde 2004. Regarde, c'est un jeu. Ouais, c'est ça. Ah non, Total Club. Oui, c'est ça, manager aussi. De la merde 2. J'en peux plus. De la merde 3. Ah, arrête, je vais vomir. Trop de merde. J'en peux plus. Allez, mettez-moi un bon jeu. Scar.
Ah, c'est un jeu de voiture, ouais. Ça va. Ouh putain, petit Rock Evolution. Ah, un petit Turok, ça va mieux. Est-ce qu'il y a quoi? Ça va mieux. Ah, Pro Evolution, truc 3. Non, je vais non, Turok, un petit Turok Evolution, ça fait, c'est pas, ça fait pas la, de mal. La merde 14. La merde 14. La merde 13. Allez, c'est complet, hein. Non, c'est pas possible. Donc, toujours avec Lionel Messi, on en peut plus. Splinter Cell. Ah, un peu de Complète. Sel. Complète. 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 Ah, super. De la merde 2008. De la merde 8. Un jeu Sega Saturn Tomb Raider 6. Pardon. La tête qu'il a. Siberi. Ah. Je m'appelle Ribéry. Tomb Raider Sega Saturn. Ah. Un Tomb Raider sur Saturn. La boîte de Alien versus Predator. Ah. 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 La boîte. Alien. VS Predator. Ratchet & Clank sur PS2. Ah. Ah non, Beach Volleyball. Ah. Ah. Volleyball c'est bien, mais c'est pas bien de voler les ballons. Alors, une PS3, une Slim. PS3 Slim. C'est une PS2, stupid idiot. Ah merde, du coup c'est un 3. Ah. PS3. Je suis Ribéry. PS3. On a combien de games j'ai, Charlie? Premier, second, deuxième, troisième. PS3. Combien de games j'ai? Alors ça, il y a deux Game Gear qui sont pour Marco. Ouais, y en a une là. Alors, une Game Gear. Ouais, une Game Gear. Ah, ouais. Pas en cours. Aladdin. Aladdin, gros boudin. Ouais, mais ça, c'est... ça, faudra lui rendre, je pense. Oh là là, mais tu as fait la peinture avec ou quoi? Il y a de la peinture de partout. Il y a des traces de peinture dessus. Une PlayStation 1, même deux PlayStation 1. Oh, donc, alors qu'on en avait déjà rentré une tout à l'heure. Et... deux PS1. Mais une qui est le café. Un petit peu jauni, hein, pour faire ressortir son côté et chinois. Et une PS1 Slim, je crois. Non, et encore trois. Mais celle-là, elle change pas de quoi. Ouais, comme ta gueule. Encore une PS1. Et dedans, là. Eh, mais une belle petite collection de PS1. Medieval Resurrection sur PSP. Medieval, ça c'est bien ça. Sur PSP. 3 memory cards sur. Je sais pas. De PS1 ou PS2, de toute façon c'est le format. PS1, PS2. Alors. Il y a 4 manettes. Alors, c'est des manettes, je crois, qui marchent pas. Il m'avait dit que c'était vraiment pour pièces. Mais bon, ça va, elles ont l'air en bon état. C'est pour les coques, c'est pas mal pour récupérer les coques. Ouais. Et les joysticks sont un peu. Ah, ils pèguent un petit peu. Hein. Il y en a 4. 4. Ceux-là ils pèguent pas. Non. Ça c'est bien. Ah là on peut récupérer les joysticks. Là aussi. Là aussi. Ah non. Ah ça ils pèguent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Mais vous torchez avec vos manettes, c'est pas possible. Il y avait plus de papier, j'ai pris la manette. Un truc. Il y a plus de papier de manette. Un truc Guitar Hero. Un jeu. un truc. Ça ressemble à un Mediator. Ribéry. Un micro Logitech. Ah, c'est cool ça. Un micro USB Logitech. On arrive bientôt à la fin. Ça c'est... une Alim. Une Alim PS2. Raptor. Non, ça, ah oui. PS2 Slim, exact. 8,5 volts. Et un casque que je ne mettrai jamais parce qu'il m'a sali les mains. Oula. C'est un 360 ça. Je sais pas, mais ça me salit les mains. Donc... Ouais, attends. Je sais si c'est ça. Un casque. Ah ouais, Xbox. Non, c'est Xbox, la première. C'est okay. Pas 360. Ouais, il y a la mousse qui est un peu. Merci pour ta vidéo. Au revoir. Ciao. Tu peux dire au revoir autrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour la longueur hein, que ça a pris, mais on a eu tellement de choses, je sais plus où mettre tout ça, ça veut pas dire ne m'offrez plus rien, hein. Mais voilà, c'est le défi à chaque fois qu'on rentre beaucoup de trucs, c'est voilà, où les mettre. Là, je crois que franchement, on a rentré pas loin de 100 jeux, grâce à Draven Astaroth, merci beaucoup, 100 jeux, une dizaine de consoles,
et un bon merci. Paquet de merde. Merci les gars. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.